Hey Mego, bienvenue sur un nouveau vlog. Today. Aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, mais je commence mon vlog en fin de journée. En fait, honnêtement, je viens de finir ma journée de taf et je dois aller manger avec une amie, Sally. Et donc, on va manger dans un resto. Désolée, mais là, je suis en train de faire n'importe quoi sur mes sourcils. Je sais pas si vous voyez la cata. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc comme je vous disais, je viens de finir le taf. Je commence à vlogger du coup fin de journée. Et je suis censée aller rejoindre Sally pour aller manger au restaurant. J'ai la flemme de me maquiller. J'ai juste fait essayer d'arranger mes sourcils. Mais comme vous avez pu voir, c'était une mission un peu compliquée. Je suis en train de les laisser pousser en ce moment. Ça fait au moins 3 mois que je n'y ai pas touché. Et franchement, c'est un peu d'un genre, mais bon, c'est pour pouvoir bien refaire la forme, parce qu'à un moment c'était vraiment très fin et j'avais la flemme de me maquiller. Il pleut depuis ce matin, ça sert à rien. Comme vous pouvez voir, I got some new hair. Votre go, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai dû faire, j'ai fait ma première quick weave. Dites-vous là, ça fait une dizaine de jours que je l'ai. Ça fait super naturel, ça fait super plat. Yeah. Le seul point relou, c'est qu'en ce moment, comme il fait que pleuvoir et il fait super humide dehors et mes cheveux sont pas défrisés, des fois ils ont tendance à gonfler. Mais bon, c'est pas grave. Let's go. Good morning les filles. Alors je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, comme vous pouvez le voir. Et honnêtement, là j'essaie de vlogger un peu plus, donc je suis désolée, mais mes vlogs vont être surtout en fin de journée parce que la semaine je suis au travail ou en télétravail. Bref, je travaille, donc il n'y a rien d'intéressant à vlogger. Je travaille juste. Donc je vais essayer de vlogger plus en fin de journée. Là je viens de me réveiller. Je vais me loguer sur mon PC tranquillement, faire ma journée. Et normalement ce soir j'ai un cours toujours avec Lynn, toujours au même endroit. Donc j'ai un cours normalement à 18h, je vais vous emmener avec moi. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc j'ai un petit peu peur. En plus aujourd'hui je me sentais pas trop bien, j'avais mal au ventre et tout. Mais bon, le cours est booké, donc je vais devoir y aller. J'étais vraiment fatiguée toute la semaine. En ce moment au travail c'est vraiment le rush. J'ai des journées qui sont vraiment longues et intenses. Genre, il va falloir que ça s'arrête au bout d'un moment. Genre, je suis vraiment explosée. Mais bon, en fait, j'ai besoin de vacances. En fait, j'ai encore besoin de vacances. Yeah, j'ai encore besoin de vacances. J'ai l'impression que je commence à en avoir marre de ma routine. Donc, il va falloir que je fasse quelques changements. Parce que là, je kiffe pas trop, mais bon, les changements sont en cours. J'essaie juste d'être patiente et ça va finir par payer, le travail paye toujours. Donc voilà, c'était pour faire un petit coucou et je vous dis à tout à l'heure pour le cours. Nobody.
Cause I don't wanna hurt nobody. Did it over text, didn't call me. Still got love for your mommy. I know you wanna be somebody, even if you gotta leave somebody. Au fait, les filles, je voulais vous montrer avant d'aller à mon cours de pole ce que j'utilise pour éviter de glisser sur la barre. Donc, ça s'appelle Monkey Hand Glue. Glue. Bref, c'est de la, c'est de la glue pour éviter d'avoir les mains qui glissent et pour pouvoir bien fixer la barre. Donc, si vous voulez prendre des cours, je vous recommande fortement cette glue. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Comme vous pouvez voir, c'est vegan et ça pose pas de problème de peau. Donc voilà, petit troco pour celles qui veulent tenter le pôle. Hey, truck to the plane, to the truck, truck to the hotel lobby. Me, I go through underground garages, presidential suite on deposit. Elevator up to the room, shower up and then we hit the club. Touchdown, gotta see what's up. Area code in my phone, what numbers do I still have? Who do I know from the past? Hit one, she say she got a man. Hit another one, it goes green. Must have changed foes on the team. Remember when you let me in between? That was 2017, all good. On a souffert, franchement. Cours de pole fini. Cours bas sur demain et maton demain, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça. On vient juste de finir le cours. On est KO technique. KO. T'es garé où? C'est comme toi, devant. Ah, je sais pas, je me garde là. Hein. Ah ouais? C'est rare, il y a des places les là-bas. Les filles, on a fait notre cours de la semaine. Et franchement, c'était trop bien. C'était dur. Non, et mais je suis contente. Là, on a souffert, on a souffert. Je suis trop contente d'avoir été parce que ça faisait longtemps. Mais bon, maintenant on est de retour. Ouais. Objectif à deux sur une barre. Ah ouais, bientôt, bientôt, prochaine. Je viens de rentrer du cours de pole dance et laissez-moi vous dire, le temps est toujours trash. Il pleut, il fait moche. Bref, je prends une douche. Ensuite, skincare. Purée, j'ai tellement transpiré au pole que. Bref, skincare et ensuite I'm going back to business, meaning mes recherches, l'appart, mais avant je vais manger. Yeah, anyway, douche. It's getting bad, bitch. Je suis vraiment trop contente de mon cours de pole aujourd'hui parce que j'avais pas fait pole dance depuis le mois d'août. J'ai pas fait de pole dance depuis le mois d'août, depuis que je suis partie en Guadeloupe. Et septembre, toutes les classes, elles étaient book parce qu'il y a de plus en plus de demandes avec Lynn. Octobre, là, c'était la seule séance vraiment où je pouvais, même si j'étais dégoûtée puisque j'avais mal au ventre à cause de mes règles. Mais franchement, premier cours, votre go, elle tenait sur la barre et tout. Votre go, elle tournait, votre go, elle levait les jambes. Votre go, elle faisait des croisés. Enfin bref. Pas mal du tout, mais là faut que je book les prochains pour le reste du mois. Ouais. Thank you.
ce soir, il y a ma petite soeur qui va venir à la maison parce qu'en ce moment, elle est en train de s'entraîner pour tout ce qui est make-up, glam, pour devenir make-up artiste. Et donc, je vais être son modèle pour la soirée, pour s'entraîner. Elle va essayer ses produits, etc. Donc, on va faire une petite soirée glam, même si je vais aller nowhere. Ok, je vais rester chez moi, donc c'est ça qui est... Mais comme ça, elle pourra prendre des photos pour son portfolio. Et on va manger ensemble et tout. Bref, chill entre sœurs. Donc, ouais, normalement, ça va être le plan de ce soir. Make-up glam, tutoriel. Oh, that. Donc, elle a fait son setup. On va commencer, hein. Je vais en mettre un parce que du coup le mien c'est des cas ici. Oh non, mais j'ai des petites pinces roses. Ah, mais non, mais tiens, elles vont mieux avec ton outfit. Sorry. Donc elle va utiliser la base BK. Non, c'est pas sponsorisé. Base BK. Elle veut faire un make-up coloré. Avec du rose et tout et tout. Donc voici le before. Et on vous montrera l'after après. Et si vous voulez voir les détails, il faudra aller dans son Instagram qu'elle vous donnera après. Si vous aimez. Voilà. Voilà. Look final. Ah non, attendez, je vais mettre la lumière. Ah mais là c'est la lumière chaude. Faut mettre look final, look. On va voir derrière comme ça. Non, on ne voit pas. The makeup artist.